Shalom, partagez le direct. Et bonne fête de Noël à tous ceux qui fêtent Noël. Bonne fête de Noël à tous ceux qui fêtent Noël. Parce que c'est pas tout le monde qui fête Noël. Moi, pour moi, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Donc, Noël, je le pratique pour les enfants, juste pour faire des cadeaux aux enfants, faire manger, faire des cadeaux aux enfants, et puis voilà. Et c'est un moment de prière pour moi, c'est un moment de partage. Mais je ne suis pas contre ceux qui le font, hein. C'est pas... Chacun a son business. Que Dieu vous bénisse. Alors, partagez le direct. Je préfère bénir en cette journée parce que je ne sais pas ce que les gens vont faire le soir. Comme il y a des gens qui sont à fond dans Noël, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir. Donc, je préfère bénir en cette journée. Je préfère utiliser la journée, cette journée-là, pour bénir. Comme ça, celui qui a quelque chose de prévu le soir va faire ce qu'il a prévu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Comme d'habitude, partagez le direct, mettez des cœurs. On va avoir un petit moment de proclamation. C'est la fin de l'année. Nous sommes le 25 décembre. Dans une semaine, c'est la fin du mois. On va rentrer dans le 1er janvier 2024. Il y a beaucoup de personnes qui sont concentrées sur la fête, sur manger, boire, s'habiller, danser. Alors que pendant que la plupart des gens sont concentrés sur ça, manger, boire, s'amuser, il y a un autre groupe de personnes dans le monde spirituel avec des mauvais esprits. Il y a des sorciers, eux, c'est pas manger, boire, danser. C'est des réunions pour savoir qui on mange, qui on tue, qui on achève cette fin d'année. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que la fin de l'année, c'est une période très dangereuse sur le plan spirituel. La fin de l'année, c'est le moment où les gens font plus de sacrifices, plus de libations. C'est le moment où les sorciers entassent les morts. Et il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps de prier. Ils ne prennent pas le temps de chercher la face de Dieu. C'est qu'est-ce que je veux boire? Le champagne, le vin, la bière, la nourriture, la sape, les danses. Mais voilà, je suis assis ici. C'est le 25 décembre. Est-ce que j'ai porté costume? Mais ça va me faire quoi si j'ai porté costume? Je n'ai pas porté costume. Je porte les costumes quand je veux. Je ne suis même pas allé au coiffeur pour me coiffer parce que il n'y a rien de spécial, moi, dans ma... Pour moi, il n'y a rien qui change, quoi. Il n'y a rien de spécial. Je me coiffe le 27, je me coiffe le 27. Je me coiffe le 10, je me coiffe le 10. Je n'ai pas besoin d'attendre 23, le 23. La fête même de fin d'année, le 31 pour moi, le 31, c'est peut-être même, ça a peut-être plus d'importance. Pourquoi? Parce que Dieu m'accorde encore une nouvelle année. Je sors d'une année pour aller dans une autre. Donc, ça a plus d'importance. Là, je peux même, comment on appelle, mais même le 31, c'est un moment de prière. C'est bien de passer le 31 dans la prière pour rentrer au 1er janvier, pour commencer l'année. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas que actuellement là, les sorciers sont en train de viser les gens. Il y a des gens qui vont t'appeler simplement pour te dire bonjour. C'est pour entendre ta voix. Oui, je suis en train de te parler. Il y a des gens qui vont t'appeler bonjour, comment tu vas? C'est pour entendre simplement ta voix, pour utiliser cette voix pour faire une incantation. Mais toi, tu crois que
La personne t'a appelé pour demander de tes nouvelles parce que c'est Noël. La personne t'a appelé pour demander tes nouvelles parce que c'est la fin de l'année. C'est en cette fin d'année que tu vas commencer à sentir des pressions. Tu vas voir que ton sommeil est bizarre. Et toi, tu vas te lever, tu vas dire, oh, c'est parce que j'ai bu de l'alcool. C'est parce que hier, j'ai trop bu. C'est parce que j'ai bu un peu trop de bière. C'est parce que j'ai bu un peu trop de champagne. Pourtant, dans le rêve, on était en train de te poursuivre. Pourtant, dans le rêve, tu as vu des trous. Tu as failli tomber dans plusieurs trous. Pourtant, dans le rêve, il y avait des chiens qui te poursuivaient. Mais toi, tu es en train de dire, oh, comme hier, on a trop bu. Oh, j'ai mal à la tête. Hein. Hier, j'ai trop bu. Mais ça. Mais les sorciers attendent ces moments où tu n'es pas vigilant. Ils attendent ce moment où tu n'es pas vigilant. C'est pourquoi ils arrivent à entasser plein de personnes. Ils ont déjà tué quelqu'un. Mais ils vont préparer un accident sur le chemin pour que la personne ait un accident de voiture. On va dire c'est parce qu'il est parti boire et qu'il a eu un accident de voiture. Il est mort sur la route. Pourtant, cette personne-là, deux fois, buvait de temps en temps. Il buvait, il prenait sa voiture, il rentrait chez lui à la maison sans problème. Mais en cette fin d'année-là, ils l'ont déjà achevé, ils l'ont déjà sacrifié. Il est déjà lié, il est déjà mort. Mais ils vont préparer un accident pour dire, oh, voilà, c'est parce qu'il est parti boire, il a fait la fête, il est mort. Comme ça, au moins, on ne soupçonne aucun sorcier, on ne soupçonne aucune sorcière. C'est ce qu'ils ont fait à Didier Arafat. Ils avaient déjà éliminé Didier Arafat. Ils l'avaient déjà tué. On l'avait déjà sacrifié. Et ils l'ont poussé à un accident de moto pour dire que oui, c'est parce qu'il a roulé moto et que c'est, il a trop filé ou ça. Or, le gars ne filait même pas. Le parcours là, il avait l'habitude de le prendre. Ce qu'il faisait à moto là, il faisait pire que ça d'habitude. Mais ce jour-là, pour un petit parcours comme ça, ils étaient plusieurs à moto. Tout le monde a pris la même route là. C'est lui seul qui est mort là-bas. Pourquoi? Parce qu'il était déjà sacrifié. Et le monde entier savait que cette mort n'était pas une mort naturelle. Le monde entier savait qu'ils ont tué l'enfant. Ils l'ont tué. Bon. Les gens ne sont pas conscients. Mettez les cœurs et partagez ce direct. Pour ceux qui croient qu'ils sont conscients. Ils sont assis chez eux avec leur bière, leur vin, leur champagne, la nourriture, on met poulet, on met ceci. Et après, c'est pour venir pleurer devant les pasteurs. Oh, papa, prie pour moi, papa, prie pour moi. Mon mari est parti, papa, prie pour moi. Mon enfant est tombé dans le coma. Papa, prie pour moi, papa, prie pour moi. On m'a chassé du travail. Papa, prie pour moi, papa, prie pour moi. Je ne sais pas, mais il y a un truc qui se promène dans mon corps. C'est maintenant que tu dois savoir. On t'a pas dit de ne pas manger. On t'a pas dit de ne pas faire la fête. Mais on dit que ton esprit soit en prière. On dit que il faut pas croire que parce que c'est Noël, les sorciers sont en vacances. Il faut pas croire que parce que c'est fête de fin d'année, les esprits, les mauvais esprits, les sorciers sont partis faire la fête quelque part dans une brousse là-bas. Et qu'ils t'ont oublié. Au contraire, c'est maintenant même qu'ils te guettent. Même les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Dans cette fin d'année-là, il y a des gens qui vont vous appeler bêtement comme ça. Oh papa, bonjour, j'aimerais que tu pries pour moi. Papa, sinon, il y a mon ventre là. Oh, c'est une sorcière qui est quelque part qui est en train de juste communiquer avec toi pour savoir comment percer le mystère pour rentrer et te bombarder. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre. Tu vas croire que c'est une âme qui est... Est-ce que vous savez que deux fois, même quand tu pries pour des gens, tu as des attaques? Quand tu pries pour un sorcier, pendant que tu es en train de prier pour lui, il cherche à t'envoûter. Donc, il y a même des serviteurs de Dieu qui vont prendre des balles perdues à cette fin d'année. C'est pourquoi moi, Dieu m'a appris et est en train de m'apprendre quelque chose parce qu'il n'a pas fini de m'apprendre. C'est de ne pas servir Dieu, mettez les cœurs, partagez le direct. C'est de ne pas servir Dieu avec les sentiments. On ne sert pas Dieu avec les sentiments. On sert Dieu avec la direction du Saint-Esprit. On sert Dieu avec la direction du Saint-Esprit.
Un juge peut être chrétien, mais il ne va pas aller au tribunal pour juger en tant que chrétien. Il va juger en tant que juge. Un avocat peut être chrétien, il ne va pas aller jouer son rôle d'avocat en tant que chrétien, il va jouer son rôle d'avocat en tant qu'avocat. Ça veut dire que l'avocat est chrétien, il peut être en train de défendre un assassin, un brigand. Il sait que le monsieur est coupable, mais l'avocat va chercher à le défendre pour qu'il soit innocenté parce qu'il joue son rôle d'avocat. Il sait que ce monsieur-là, c'est lui qui a assassiné. Mais l'avocat va vouloir le défendre en tant que chrétien pour que ce monsieur sorte libre du tribunal. Pourquoi? Parce qu'il joue son rôle d'avocat. Un policier peut être chrétien, il est sur la route ou bien il est quelque part en train de faire son service. Il ne va pas faire son service en tant que chrétien. Il ne va pas faire son service en tant que chrétien. Il va faire son service en tant que policier, en tant que gendarme. Un politicien peut être chrétien, mais il va jouer son rôle. Il va faire sa politique en tant que politicien. Il ne va pas faire sa politique en tant que chrétien et tout. Quand on prend le sentiment, les sentiments, et qu'on met dans ce que Dieu nous a dit de faire, on ne fait plus la chose comme Dieu veut qu'on le fasse, on le fait la chose dans la chair. Donc, servir Dieu même là, on ne sert pas Dieu avec les sentiments. On sert Dieu selon la direction du Saint-Esprit. Selon la direction du Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth ressuscitait les morts, il opérait les miracles, il faisait tout. Mais dans certains endroits, Jésus refusait de prier pour certains malades. Dans certains endroits, il y a des malades qui n'arrivaient pas à toucher Jésus. Il y a même d'autres qui vont insister, lutter jusqu'à ce qu'ils puissent avoir une réponse. Mettez des cœurs et partagez. Jésus a vu une femme, pauvre femme, veuve, une femme dans les difficultés qui est venue demander la prière pour ses enfants. Jésus a refusé. Jésus lui a dit, mais on ne peut pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Non seulement il a refusé, il a insulté la femme, il l'a traité de chienne. On ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. La femme dit, mais quand ça tombe sous la table, les chiens mangent les miettes. Jésus a regardé la femme et a dit, oui, vraiment, ta foi et ton courage là t'ont sauvé. Je vais prier pour toi. Mais la femme a insisté. La femme a insisté. Jésus, quand il se promenait, c'est pas tous les aveugles qui sont sur sa route et guéris. C'est pas tous les paralytiques qui sont sur sa route et guéris. On ne sait pas Dieu avec les sentiments. Il y a un pasteur qui est mort. J'ai rendu ce témoignage, je le rends encore aujourd'hui. Il avait le don de guérison et de miracle. Il prie pour un malade, le malade se lève. Mais un jour, il allait prier pour un monsieur. Or, le monsieur était très méchant. C'est quelqu'un qui a tué beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui était vraiment mauvais. Et Dieu était en train de punir la personne. La personne était malade. Le pasteur n'a pas écouté le Saint-Esprit. Il a voulu prouver à tout le monde qu'il a un cœur. Il a le sentiment. Et que Dieu l'utilise. Il est rentré chez la personne. Il est allé prier. La personne s'est levée. Il est guéri. Mais quand le pasteur est rentré à la maison, le pasteur a attrapé la maladie. La maladie que le monsieur avait. Et le pasteur prie. Il dit à Dieu, pourquoi tu me fais ça? Le Seigneur dit, pourquoi tu rentres entre moi et quelqu'un que je suis en train de punir? Qui t'a dit de prier pour lui? Cet homme a fait du mal. Je suis en train de le punir. Tu ne demandes pas mon avis et tu t'en vas prier pour lui. Maintenant, lui, il est guéri. Toi, tu meurs à sa place. Le pasteur est mort. Vous comprenez ça? On ne fait pas les choses de Dieu avec les sentiments. En cette fin d'année, beaucoup de gens vont se faire avoir par les sentiments. La sorcière qui n'a pas pu t'avoir depuis longtemps, là. La sorcière qui n'a pas pu t'avoir depuis longtemps. Oui, je suis en direct. Je suis en direct. Tu peux suivre même le direct. Après, on va parler. La personne qui n'a pas pu t'avoir depuis longtemps, la sorcière qui n'a pas pu t'avoir depuis longtemps, c'est cette sorcière-là qui va t'appeler aujourd'hui pour demander de tes nouvelles. Oh, comment tu vas, ma fille? Oh, ça fait longtemps.
que je n'ai pas de tes nouvelles. Et comme tu n'as pas le discernement, tu ne vas pas savoir qu'il y a un problème. Eh, hey, maman, ça va? Oui, ça fait longtemps. Hein? J'étais même en train de penser à toi. J'ai dit, hé, hey, vraiment, hé, hey, maman, tu as pensé à moi aujourd'hui. Oh, oh, vraiment, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, là, c'est un jour, un bon jour pour moi. Hé, hey, poulet, là, je vais bien manger. Et puis, tu es en train de parler. Mais pendant que tu parles, là, elle est là-bas. Elle te cherchait depuis longtemps. Tu viens de lui ouvrir la porte. Donc, pendant que tu parles, oui, maman, vraiment, je suis heureux. Elle est là-bas, elle fait ses incantations. Qu'elle meure. Je proclame l'accident. Peut-être même que pendant qu'elle te parle, elle est en train d'attacher quelque chose. Toi, tu es là, tu parles. Avec le son de ta voix, elle est en train de te lier. Après, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais mon côté là est bizarre. J'ai mal au ventre. Mais vraiment, depuis la fête là, j'ai mal fait la fête. Oh. J'ai vomi seulement jusqu'à... Je suis hospitalisé, je suis couché. Tes sentiments, tu n'as pas le discernement. Je suis venu faire ce direct pour libérer la vie de tous ceux qui sont localisés par un sorcier. Et celui qui dira Amen, et celui qui s'attachera à ce direct, sera sous la protection divine du Saint-Esprit. Qu'aucun sorcier ne puisse te localiser à cette fin d'année. Qu'aucun sorcier ne puisse localiser ta famille. Qu'aucun sorcier ne puisse localiser ta femme, tes enfants. Qu'aucun sorcier ne puisse localiser quoi que ce soit t'appartenant. Je suis venu proclamer qu'aucun filet de sorcellerie, aucune ligne de sorcellerie, aucun fusil de sorcier, aucun missile, aucune localisation ne doit agir sur ta vie. Que tout ce qui a été planifié soit détruit au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont t'appeler pour te mettre de mauvaise humeur, pour t'annoncer une nouvelle que tu n'as pas envie d'entendre. Parce qu'ils savent que quand tu vas être de mauvaise humeur, tu vas être en colère. Et quand tu vas être en colère, tu vas ouvrir une porte. Et quand tu vas ouvrir la porte, ils vont rentrer pour te limer. Bah! Tu es là, tu dis ma tête, je ne sais pas pourquoi. Ma tête, je ne sais pas pourquoi. Ma tête. Tu prends Doliprane, ça ne passe pas. Tu prends tous les autres médicaments qu'il faut, ça ne passe pas. Tu vas même aux urgences. On ne trouve pas pourquoi tu as mal à la tête. Et après, on attend. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il disait ma tête. Il avait un peu mal à la tête, ma tête. Et il est mort bizarrement comme ça. On trouve un nom, on dit ABC. Ou bien on trouve rupture d'anévrisme. Hein? Rupture d'anévrisme. ABC. Hein? Voilà. ABC, rupture d'anévrisme. On trouve n'importe quel mot de maladie et puis on te donne. Mais toi, tu es déjà dans le tombeau. À cette fin d'année, à chaque fin d'année, il y a des gens qui sont dans des grottes, qui sont dans des forêts, au bord de l'eau, dans des chambres d'incantation, de sorcellerie. Mais je suis venu prononcer sur la vie d'une personne. J'ai déjà dit qu'il n'y a aucun sorcier qui doit rentrer avec toi. Il n'y a aucun sorcier qui doit rentrer avec toi en 2024. Qui doit rentrer avec toi en 2024. Aucun. Tous les sorciers qui cherchent à localiser ta vie sont vaincus, paralysés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière et la gloire du Saint-Esprit te localisent de là où tu es. Quelle que soit la position qu'ils vont prendre, que ce soit en parole, en pensée, en action, tout ce qu'ils vont planifier et faire, que ça soit nul et sans effet. Les brouteurs béninois là sont décidés. Hein. Ils sont brouteurs, mais ils n'ont pas la possibilité, le courage de faire eux-mêmes des directs pour escroquer les gens. Donc c'est sur le direct des autres
qui viennent mettre leur publicité de mensonge. Mais moi, j'ai leur remède. J'ai juste à les bloquer et puis je continue. En cette fin d'année, que tout sorcier mystique, si quelqu'un vient te voir pour te dire, je connais une femme, je connais un monsieur, je connais quelqu'un qui peut t'aider pour que telle ou telle chose soit faite, qui peut t'aider pour que ton histoire change, qui peut t'aider pour que telle chose avance dans ta vie, tu diras à cette personne que Jésus-Christ de Nazareth a déjà tout accompli pour toi. Les sorciers cherchent dans ces faits, dans ces moments pareils, qui ils vont bouffer, qui ils vont achever, qui ils vont détruire. Et je refuse que tu sois leur candidat. Je refuse que tu sois leur candidat. Que toute localisation satanique contre ta vie soit nulle et sans effet. Qu'on ne puisse pas te repérer. Excusez-moi, je rallume mon ordinateur. Qu'on ne puisse pas te repérer par une jumelle quelconque, par un radar quelconque. À cette fin d'année, que la gloire de Dieu te protège. Sois caché sous l'abri du Seigneur. Il est écrit dans Jean chapitre 11, le verset 44. Jean chapitre 11, verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Mais c'est Jésus qui a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Mais quand Lazare sort, Lazare est lié. Qui a lié Lazare? Ceux qui ont lié Lazare, c'est à eux que Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Parce que le but du Seigneur, c'est que tu sois libre. Mais qui va te lier? Qui t'a lié? Qui t'a repéré? Donc le Seigneur dit à la personne qui est la cause du problème, arrête ce problème-là et laisse-le partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes sont en train de faire la fête, sont en train de manger. Moi, depuis ce matin, je me suis levé, je suis en prière. Les enfants ont eu leurs cadeaux, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent, ils sont devant la télé. Moi, je suis dans mon bureau, dans mon sanctuaire, depuis je suis là, je suis en train de prier. Je fais ce direct avant de sortir de ce lieu. Je sens une atmosphère. Atmosphère de combat spirituel. Et depuis ce matin, l'Esprit de Dieu me met à cœur de faire ce direct pour dire à quelqu'un, sois sur tes gardes. Aie le discernement. Ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Tu manges, mais sois en prière. Tu veux boire, fais ta fête, mais sois en prière. N'oublie pas que le diable ne se repose pas. Tu as lutté depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. N'ouvre pas les portes, ne baisse pas les bras pour qu'on puisse t'atteindre en cette fin d'année. Sois vigilant, sois fort. C'est maintenant que tu dois redoubler ta vie de prière. C'est maintenant que tu dois redoubler l'attention parce que tu es entre quelque chose. Et il y a des gens qui envient ce que tu as.
Il y a des gens qui envient ton étoile. Il y a des gens qui envient ta réussite. Il y a des gens qui envient ce qui arrive dans ta vie et qui veulent l'empêcher. Mais de la manière que le Seigneur a dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Le Seigneur a déclaré ça à ceux qui ont lié Lazare, ceux qui ont attaché Lazare. Jésus dit, déliez-le, laissez-le s'en aller. Il les a donné l'ordre. Je proclame que tous ceux qui ont cherché à te lier, tous ceux qui t'ont lié, tous ceux qui t'ont repéré, pose les âmes maintenant, sinon ils meurent au nom de Jésus. Si un sorcier est en train de chercher à te repérer, si un sorcier, une sorcière est en train de te localiser, si tu es en train de faire des réunions, de tendre des pièges, de trouver des stratégies, je prie que ceux qui sont en train de faire des achèves, qu'ils finissent pas cette année au nom de Jésus. Je proclame qu'aucune flèche satanique ne puisse t'atteindre. Je proclame aujourd'hui qu'aucune flèche satanique ne puisse t'atteindre. Si c'est maintenant qu'on veut déverser sur toi l'odeur de la pauvreté, que cela retourne contre eux. Si on veut déverser sur toi l'odeur du blocage, que ça retourne contre eux. C'est maintenant que les choses se passent. C'est maintenant qu'ils sont en train de demander que tu sois pauvre. C'est maintenant qu'ils sont en train de demander que tu sois malade. C'est maintenant qu'ils sont en train de demander que tu meurs. C'est maintenant qu'ils sont en train de s'organiser pour que l'année soit difficile pour toi. Mais au nom de Jésus, il a dit déliez-le et laissez-le s'en aller. Que personne ne puisse te localiser par son pouvoir satanique, sa langue démoniaque, ses pensées démoniaques, ses actions démoniaques. Que tout sorcier et sorcière qui va se réveiller, qui va cesser à t'atteindre, qui va te localiser, soit foudroyé par la colère de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un conseil que je vous donne. La fin de l'année comme ça, là, faites des semences. Faites des semences. La fin de l'année, là, au manger, boire, c'est bien. Faites des semences, faites des sacrifices. Bâtissez des autels pour votre vie, la vie de votre enfant, de votre foyer. Bâtissez des autels. N'attendez pas qu'on vous demande une action prophétique. La fin de l'année, tu crois à un homme de Dieu. Tu crois à son onction. Fais une semence, fais une semence, fais un sacrifice pour ta vie. Quel que soit le nombre, quel que soit ce que tu peux faire, fais une semence. Voici, je fais cette semence pour ma vie. Un sacrifice, une action. Ne dis pas Jésus est déjà mort, son sang est déjà versé. Donc, je n'ai pas besoin de faire des semences. Fais une semence. Marie-Madeleine a versé parfum sur le pied de Jésus. C'était une semence. La fin de l'année. C'est maintenant que l'horloge spirituelle est en train de tourner fort. C'est maintenant que les réunions sataniques se multiplient. C'est maintenant que les réunions des sorciers et des sorcières se multiplient. C'est maintenant qu'on cherche qui on tue au carrefour. C'est maintenant qu'on cherche qui va mourir dans l'accident. C'est maintenant qu'on cherche qui va mourir dans la maladie. C'est maintenant. Mais que tu ne sois pas localisé. Que tout ce qu'ils feront contre ta vie échoue. Si vous avez fait des promesses à Dieu, si vous avez fait des vœux à Dieu, accomplissez-les. Si vous avez fait des promesses dans l'année passée, vous dites, je vais faire ça à Dieu. Si vous avez eu la pensée de s'aimer quelque chose, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Ne rentrez pas dans la nouvelle année avec des dettes spirituelles pour que le diable vous accuse. Demandez à Dieu de multiplier votre vie de prière. N'ayez pas des excuses en fin d'année pour dire, oh, on n'a rien. On n'a rien à manger, on n'a pas ceci. Fais une semence, ce que tu peux faire, il faut faire. Fais une offrande, fais une semence, bâtis un hôtel, c'est pour ta vie, c'est important. Sécurise ta vie pour l'année qui arrive. C'est des conseils que je donne à tout le monde. Ceux qui sont de l'autre côté font des sacrifices de moutons, des sacrifices de bœufs. D'autres même vont faire des libations, d'autres même sont en train de sacrifier des êtres humains actuellement. Ils savent pourquoi ils le font. Parce que la terre parle, la terre mange, la terre boit. Et la loi de la semence existe.
dans Genèse chapitre 8, verset 22, la loi des semailles, en cette fin d'année, que la protection divine soit sur ta vie. Je profite de ce direct pour bénir la vie de tous mes enfants spirituels. Tous ceux qui ont été fidèles à ma vie, à mon ministère jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui ont cru à l'onction que sur ma vie. Dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, ils ont été là. Tous ceux qui ont semé dans ma vie, tous ceux qui ont envoyé une étoile sur mes directs, qui ont envoyé un like, tous ceux qui ont mis un cœur, tous ceux qui ont partagé mes directs, tous ceux qui m'ont envoyé une offrande quelconque, tous ceux qui ont prié pour moi, que le Seigneur les localise, que sa grâce soit sur leur vie. Et je veux vous promettre que cette année qui arrive est une année de grâce, d'onction, de feu. Que l'onction va se multiplier pour vous. L'onction va se multiplier dans votre vie. Parce que le Seigneur fera encore de plus grandes choses. Que la protection divine soit sur vous. Et que toute localisation satanique ne vous atteigne pas. Méfiez-vous. C'est le moment où on entend, il y a eu mort ici, il y a eu problème ici, il y a eu ça ici. Dans le monde artistique, dans le monde politique, dans les églises, partout. Le diable frappe là où il veut frapper, où il peut frapper. Je suis venu faire ce direct pour te dire, tu n'es pas la victime de Satan. Tu n'es pas localisé. Et s'il veut te localiser, qu'il soit foudroyé. Que les anges qui veillent sur mon ministère, que les anges qui veillent sur mon ministère, vous localisent tous et agissent pour vous. Je profite aussi de ce direct pour dire à tous ceux qui se sont éloignés de moi, par exemple, parce qu'ils ont peur de revenir, je n'ai rien contre vous. Tous ceux qui m'ont critiqué, qui m'ont calomnié, tous ceux qui m'ont fait du mal, sachez que je vous ai pardonné. Sachez que je n'ai aucune rancune contre vous. Si quelqu'un veut revenir même me demander pardon, tu es libre. Tu ne veux pas demander pardon, tu es libre. Mais les portes te sont ouvertes. Je n'ai rien contre personne. Mon seul ennemi, c'est Satan. Donc, soyez en paix. Que Dieu vous bénisse. Que la protection divine soit sur la vie de tous ceux qui m'attendent. Je vais dire à ceux qui ont fait des vœux, des promesses, qui ne les ont pas encore accomplis. Faites tout pour accomplir vos promesses. Faites tout pour accomplir vos vœux. Parce que le diable est malin. Que la grâce divine soit sur vous. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Que les anges les plus puissants vous localisent. Alors ce soir, on n'aura pas le direct, c'est le 25. Tout le monde est en famille. J'ai pris ce petit temps, cette journée-là, pour vous donner ce direct. À vous de le partager. À vous de le réécouter. À vous de l'envoyer à qui vous voulez. Que Dieu soit avec vous. Que le Saint-Esprit ne cesse d'agir dans votre vie. Vous ne serez pas les victimes d'un sorcier. Je dis bien, Père, tous ceux qui croient à mon onction, si un sorcier cherche à te localiser, localiser ta famille, localiser tes enfants, localiser ton mari, localiser ta femme, localiser tes finances, localiser quoi que ce soit qui t'appartient, qu'il soit foudroyé au nom de Jésus. J'utilise la colère sainte et je foudroie, je frappe tout sorcier, toute personne qui va penser mal de toi en cette fin d'année, qu'il ait la colère de Dieu sur sa vie. Soyez en paix, passez de bons moments, très bonne fête à vous, très bonne fin d'année. Certainement, on va se voir dans la semaine encore, mais pas ce soir. Voilà. Ceux qui sont venus en retard, revoyez ce direct. Revoyez ce direct. La Bible dit, Jésus dit, déliez-le, laissez-le aller. Les sorciers ont compris le message. S'ils t'avaient attaché déjà, ils n'ont qu'à te détacher. S'ils t'avaient déjà visé, ils n'ont qu'à arrêter. S'ils commençaient à préparer leur plan, ils n'ont qu'à laisser tomber. Parce que tu es déjà sous la protection divine. Au nom de Jésus, n'oubliez pas vos semences. N'oubliez pas de bâtir un autel. N'oubliez pas
quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous êtes, n'oubliez pas de faire une semence. Fin d'année, faites toujours une semence. Quel que soit le nombre, faites toujours une semence. Que Dieu vous bénisse. Shalom.